Alors Pascal, toujours au sujet des compressions budgétaires à Québec, le gouvernement pourrait reculer dans le dossier des places fantômes en garderie. Il y a deux jours, le gouvernement Couillard a déposé le projet de loi 27 qui visait à punir les parents qui n'utilisent pas les places à 7 $ réservées pour leurs enfants en CPE. Aujourd'hui, on apprend que la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, ouvre la porte non pas pour abolir les sanctions aux parents fautifs, mais à moduler les montants qui seraient imposés. Un acte jugé de bonne foi de la part de la ministre, mais qui semble insuffisant pour apaiser la colère de nombreuses familles qui digèrent encore mal la hausse des frais en CPE. Sarah Gendron est une jeune professionnelle dont le congé de maternité prend fin dans quelques jours. Le projet de loi 27 qui la pénaliserait si elle ne respecte pas l'horaire de son petit Henri en CPE la démotive à retourner sur le marché du travail. On paye nos impôts, on paye nos taxes, on fait vraiment partie de la société. Puis on est comme pénalisé dans ces choses-là. C'est comme encore des sommes d'argent qui viennent nous chercher, on est taxé. Mais la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, fait marche arrière et accepte maintenant de revoir les sanctions prévues pour s'attaquer aux places fantômes. Je suis habitée par une idéologie qui veut faire des places aux enfants dans un système de garde équitable et juste. Le projet de loi au départ prévoyait qu'un parent déclarant faussement les présences de son enfant aurait été sanctionné durant 3 mois à payer 60 $ par jour jusqu'à concurrence de 3 600 $, tandis que les garderies auraient écopé d'une amende pouvant atteindre 1 000 $. J'ai l'impression qu'on est dans le « just in time ». Tu sais, on fait comme « OK, on a un problème là », puis « pouf! OK, on va donner une solution rapide, on met un plaster », tu sais, au lieu d'aller voir vraiment le problème à la base, c'est quoi. Fait que moi, je dirais, ben, retourner à table à dessin. La ministre Francine Charbonneau se défend d'avoir déposé un projet de loi pour punir les parents. Elle affirme plutôt que son objectif est de maximiser l'utilisation des places déjà existantes dans un réseau qui ne suffit pas à la demande. Ici Pascal Robidan, Radio-Canada, Montréal.